Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kathiran kullama yahmaduhu al-hamidun, wa nashkuruhu shukran jamilan kullama yashkuruhu al-shakirun, wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Majid, ba'da a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, sadaqallahu al-azim. Chers sœurs, chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais aujourd'hui te parler d'une prière, d'une salah. Pas de n'importe quelle prière, mais de cette prière qui procure la paix, la quiétude du cœur et la sérénité intérieure. Une prière qui, quand tu la commences, tu commences avec une certaine angoisse, une certaine crainte et une certaine peur par rapport aux choses de la vie d'ici-bas. Et quand tu la termines, tu as été délivré de cette angoisse, de cette peur et de cette crainte. J'aimerais te parler de cette prière qui, quand tu l'accomplis, elle est tellement intense qu'elle te fait oublier « ad-dunya wa ma fiha ». Elle te fait oublier ce monde et tout ce que ce monde contient. J'aimerais te parler de cette prière qui, quand tu es plongé dedans, eh bien, tu oublies tous tes soucis. J'aimerais te parler de cette prière qui fait de toi un homme, une femme au bon comportement, c'est-à-dire une prière qui t'éduque et qui t'apprend la discipline. J'aimerais te parler de cette prière où tu es tellement bien que tu ne veux pas qu'elle se termine. Et quand bien même tu l'as terminée, tu as hâte que la prochaine prière débute. J'aimerais te parler de cette prière qui, quand tu l'accomplis, tu sens un degré de spiritualité tel que tu ressens la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce ressenti te pousse à verser les larmes par crainte d'Allah azza wa jal. J'aimerais te parler de cette prière qui augmente al-yaqin, qui augmente ta certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, qui augmente al-tawakkul, qui augmente ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette prière-là que je veux te parler. Peut-être certains diront que cette prière-là, moi je ne la connais pas, que je n'ai jamais ressenti de telles sensations dans ma prière. Si tel est notre cas, eh bien, on peut dire qu'on a prié sans jamais réellement avoir prié. Pour cette raison, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, disait que « Ya'ti ala nasi zamanun yusalloun wa hum la yusalloun » qu'arrivera une époque où les gens prieront sans avoir prié. C'est-à-dire, leurs prières n'auront qu'un aspect extérieur. Ça sera quelque chose de mécanique, de routinier, comme une corvée. C'est pour cette raison, Omar radiallahu anhu, une fois alors qu'il était sur le mimbar, il a dit que l'homme peut avoir ses sourcils blanchir alors qu'il est dans l'islam, alors qu'il n'a jamais fait une prière complètement. Les gens répondirent, comment est-ce possible, ya Amirul Mu'minin? Omar radiallahu anhu répondit, parce qu'ils ne complètent pas la concentration dans leur prière lors de leur tenue devant leur créateur, Allah Azza wa Jal. Donc Imam Ahmad ibn Hanbal nous dit que ya'ti 'ala an-nasi zamanun yusallun wa hum la yusallun. Arrivera une époque où les gens prieront sans avoir prié. Cette prière sera comme une coquille vide. Et Imam Ahmad ibn Hanbal continue en disant « Wa inni la akhafu an yakuna az-zaman wa hadha az-zaman » et je crains que l'époque soit cette époque. C'est-à-dire, il parlait déjà pour son époque à lui. Que dire de notre époque à nous? Que dire de nos jours, de la qualité de notre prière? Alors que, chers sœurs, chers frères en islam, as-salatu nourun, la salat est une lumière. La salat est la solution à tous nos problèmes. La salat est l'acte la plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celle qui va te faire goûter à la paix intérieure. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait de cette prière
dont je vous ai parlé, eh bien, il disait à Al-Mu'adhdhin Bilal radiallahu anhu, alors que lui-même et les compagnons radiallahu anhum étaient pris par des tornades d'épreuves, que arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, ô Bilal, fais-nous goûter au repos à travers la prière. Ô Bilal, fais-nous goûter au repos à travers la prière. Ceci indique que le repos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la prière, de même que sa plus grande réjouissance. Arihna biha ya Bilal, c'est-à-dire donne l'adhan afin que la salah puisse commencer et qu'on puisse trouver repos dans cette salah. Et que nous rappelle le muadhdhin à chaque fois dans l'appel à la prière dans l'adhan? Il nous rappelle hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Venez vers le succès, venez vers la réussite. Mais quel type de prière apporte le succès? Quel type de prière apporte la réussite? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, ceux qui sont humbles dans leur prière. Donc la prière, la salat qui apportera le succès, la réussite, c'est cette prière qui sera accomplie avec khushu'. Le khushu', qu'est-ce que le khushu'? Khushu' vient du verbe khasha'a en arabe, qui veut dire la crainte, l'humilité, le calme, la sérénité. Dans la terminologie, les savants disent que khushu', c'est la tenue du cœur. Donc, le khushu' a à voir avec l'aspect intérieur. Le khushu', c'est la tenue du cœur devant le Créateur, entre le rabaissement et l'humilité. Le khushu', c'est la tenue du cœur devant le Créateur, Allah Azza wa Jal, entre le rabaissement et l'humilité. C'est pour cette raison, une fois Omar radiallahu anhu dit à un jeune qui était en train de faire la salah en ayant la tête baissée, pensant que c'était un signe de khushu', d'humilité et de concentration dans la salah. Omar radiallahu anhu dit à ce jeune, « Ya fulan, irfa' ra'sak, ô atel, redresse ta tête », voulant lui faire comprendre que l'humilité de tes membres ne rajoutera rien à l'humilité qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire que l'aspect extérieur, faire les gestes correctement est important, certes, dans la salah. Mais préoccupe-toi surtout de ton cœur, de l'aspect intérieur, c'est-à-dire quel est l'état de ton cœur dans cette prière, quel est l'état de ton cœur avant même de débuter cette prière. Voyez quel était l'état avant et pendant la prière de nos pieux prédécesseurs. Une fois, on demanda à un des ascètes, un des pieux prédécesseurs, qui s'appelait Hatim al-Assam rahmatullahi alayh, on lui demanda comment il faisait pour se soumettre complètement dans la salah. Comment faisait-il pour avoir un tel degré de concentration dans la prière? Alors il répondit, « Je prie comme si la Kaaba était entre mes yeux, As-Sirat sous mes pieds, le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, l'ange de la mort derrière moi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me regardant attentivement. Je dis ensuite Allahu Akbar avec glorification. Je lis avec méditation. Je m'incline avec modestie. Je me prosterne avec humilité. Et j'assemble dans ma prière ma crainte d'Allah Azza wa Jal et mon espoir de clémence de sa part. Puis je termine ma salat, ma prière, en me demandant si ma prière a été acceptée ou pas par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. De même, il est dit de Ali radiallahu anhu qu'avant la prière, il devenait pâle, très pâle. On lui a demandé ce qu'il avait, pourquoi il pâlissait. Alors il répondit, savez-vous devant qui je vais me placer? Savez-vous devant qui je vais me placer? Subhanallah. A-t-on-nous le sentiment, chers sœurs, chers frères en islam, de se placer devant Allah subhanahu wa ta'ala
quand nous prions, certains de nous prient et à la fin se demandent si j'ai prié ou pas. Il ne se rappelle même plus s'il a prié ou pas. Certains se demandent, ai-je prié 3 ou 4 rakat? Ai-je accompli 3 ou 4 unités de prière? Ce qui veut dire qu'il y a une déficience grave dans cette salat. Il y a un grand manque de khushu', de concentration, d'humilité dans cette salat. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, disait que al-khushu' ruhu salat. Que le khushu', c'est l'âme de la salat. Donc si tu enlèves l'âme de la prière, il n'y a plus de salat. Exactement comme le corps, l'être humain qui est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés et l'être humain est fait de 2 entités. D'un côté le corps, le physique, et de l'autre côté l'âme. Ce sont ces 2 entités qui font d'un être humain un être humain. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala reprend l'âme d'un croyant, reprend l'âme d'une personne, alors on n'appelle plus cette personne-là une personne ou un corps, on appelle cela un cadavre, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a repris l'âme. De même, s'il n'y a pas de khushu' dans la salat, alors que le khushu' c'est l'âme de la prière, alors cette prière est une prière qui est morte. Cette prière est une prière qui est morte. Les savants nous expliquent que le khushu', la concentration, l'humilité dans la prière présente 3 étapes. Premièrement, l'attention que le serviteur porte à son cœur en le protégeant des wasawis, des insufflations de shaitan et autres pensées qui peuvent annuler la récompense de la prière ou la diminuer. Deuxième étape, l'attention qu'il porte à Allah subhanahu wa ta'ala dont il sait qu'il le surveille. Il l'adorera ainsi comme s'il le voyait. An ta'budallaha ka'annaka tara. C'est ce qu'on appelle le degré de ihsan dans la salat. Et la troisième étape, c'est l'attention qu'il porte aux faits et gestes de la prière et au sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux détails de leur signification. En complétant ces 3 étapes, le fidèle aura alors parfaitement accompli sa prière. Et l'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui portera sera proportionnelle à sa concentration. C'est pour cette raison, rapporté dans Sunan al-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y en a parmi vous qui prient une prière complète, d'autres qui en prient la moitié, d'autres qui en prient le tiers, d'autres qui en prie le quart, d'autres qui en prie le 5e, jusqu'à arriver au 10e. Donc l'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala portera à son serviteur dans la salat sera proportionnelle à sa concentration. Mais comment faire maintenant pour arriver à ce stade de concentration, de khushu' dans la salat? La première condition, nous rappelle Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, c'est « قبل الصلاة ابحث عن قلبك » Avant la salat, cherche ton cœur qui s'est perdu ou dans ce dunya, car tu es influençable. Il est peut-être dans le centre commercial. Il est peut-être dans la cuisine. Ce cœur est peut-être dans le match. Imaginez cette personne qui est en train de regarder un match de foot passionnant, PSG-OM, à peine la mi-temps arrivée. Il se met debout rapidement et se dit que voilà, je vais accomplir ma prière rapidement afin de ne pas manquer le début de la deuxième mi-temps. À nous de nous poser la question, est-ce que l'esprit de cette personne sera dans la salat? Son esprit sera plus dans la salat ou dans le match? Donc, comme la salat, ibhas an qalbik. Imaginez cette sœur qui a mis son gâteau dans le four. Et se dit que je vais faire ma salat rapidement et revenir pour surveiller la cuisson. Son esprit sera plus dans la salat ou dans la cuisine. Donc, ibhas an qalbik, cherche ton cœur. S'il est parti dans ce dunya, rattrape-le, ramène-le. S'il est parti dans le match, ramène-le. S'il est dans le centre commercial, ramène-le.
S'il est dans la cuisine, ramène-le, rattrape ton cœur, rattrape-le, et dis à ton cœur, et dis à ton âme que tu as un entretien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est là que ça se passe. Fais en sorte de libérer ton cœur totalement de toute occupation. Ibhas qabla salat, ibhas an qalbik. Cherche ton cœur. Si ton cœur est dans les soucis, alors on a tous des soucis. Si ton cœur est tourné vers des responsabilités, alors dis-toi bien qu'on a tous des responsabilités. Dis à ton cœur, c'est là que ça se passe. Don't worry, relax, ne t'inquiète pas, relax. Maintenant que ton cœur est revenu de là où il était, que ton esprit est revenu de là où il était, lève tes mains et prononce le takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est cette formule de prière qui nous rappelle que quelles que soient nos occupations et quelles que soient nos préoccupations, Allahu Akbar, Allah est plus grand qu'eux. Allahu Akbar au début de la salat nous permet de nous rappeler que rien n'est plus important qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison qu'on le répète 85 fois par jour au minimum dans la salat, dans la prière. Et rappelle-toi aussi que tous les problèmes que tu as, la solution se trouve dans la salat, la solution se trouve dans la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wasta'inu bis-sabri was-salah, et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Chercher le secours dans la salat, ça veut dire que tu as beau avoir des montagnes de problèmes, la solution est dans la salat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wasta'inu bis-sabri was-salah. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit après cela? Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que la prière, elle est lourde, que la prière, elle est pesante, sauf pour ceux qui ont goûté à ce degré de concentration et d'humilité. Illa 'ala al-khashi'in. Pour ceux et celles qui accomplissent la salat avec khushu', la salat n'est pas présent, n'est pas pesante pour cette catégorie de personnes. Mais cette salat est apaisante pour cette personne. C'est pour cette raison, chers frères, chères sœurs en islam, de nos jours, les médecins, les psychologues, même les thérapeutes préconisent à leurs patients de faire des pauses dans la journée. Car chaque être humain, à un moment de la journée, a besoin que son esprit, son cerveau se repose. Sinon, c'est le burn-out. Sinon, le cerveau devient lourd. Il conseille même de faire des séances de méditation. Nous, alhamdoulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre cerveau, notre esprit se repose 5 fois par jour. Arihna biha ya Bilal. Ô Bilal, repose-nous avec la prière, nous disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Bilal radiallahu anhu. Cette salat qui est faite avec khushu' est un moment de méditation, de repos, de pause et de coupure avec ce dunya. Donc, qabla as-salat, ibhas an qalbik. Avant la salat, cherche où est parti ton cœur. Et rattrape-le, ramène-le. Deuxième condition, nous permettant de développer le khushu', la concentration, l'humilité dans la salat, c'est d'éviter les péchés, car les péchés assombrissent et alourdissent ton cœur. Ils t'empêcheront d'avoir les larmes aux yeux et d'être influencé par la lecture du Coran. Troisième condition, c'est de faire correctement tes ablutions. Par le biais des ablutions, le serviteur se purifie des saletés et se présente face à son Seigneur tabaraka wa ta'ala en état de pureté. Les ablutions présentent un aspect apparent et un aspect caché. L'aspect apparent est la pureté du corps et des membres qui vont prendre part à l'acte d'adoration. Quant à l'aspect caché des ablutions, qui en est aussi le secret, c'est la purification du cœur par le repentir des saletés et impuretés causées par les péchés
et les actes de désobéissance. C'est pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une invocation pendant le wudu en faisant les ablutions. Allahumma ghfir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cette invocation que ô Allah, pardonne mes péchés, bénis mon foyer et bénis tout ce que tu nous donnes. Allahumma ghfir li dhanbi. Ô Allah, pardonne mes péchés. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a conjointement cité le repentir et la purification lorsqu'il dit dans le Coran « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Maintenant que les ablutions ont été faites correctement, que le serviteur s'est préservé des péchés et de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a libéré son cœur totalement de toute occupation et préoccupation, le fidèle se mettra debout pour prier. Toute son attention sera portée sur la souveraineté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immensité. Il ne s'orientera donc ni à droite ni à gauche, mais concentré. Lorsqu'il prononcera le takbir, Allahu Akbar, son attention sera portée sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa majesté et son immensité. Il se rappellera qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que ses soucis et préoccupations. Lorsqu'il prononcera la formule d'ouverture de la salat, de la prière, Subhanak Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka, il accordera alors toute son attention à la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, son éloge, et à exempter Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui ne lui sied pas, et à le louer pour ses attributs et sa perfection. Ensuite, lorsqu'il cherchera la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre shaitan, en lisant « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », c'est ce qu'on appelle le ta'awudh, son attention sera portée sur le fait qu'il vient chercher refuge auprès du soutien inébranlable d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son pouvoir, du secours qu'il porte à son serviteur, de la protection qu'il lui accorde et de sa défense contre son ennemi. Lorsqu'il s'inclinera pour le recours en génuflexion, alors son attention portera sur l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa majesté, sa puissance et sa grandeur. C'est pour cela qu'il est institué de dire, lorsqu'on est incliné dans le ruku', Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, gloire à mon Seigneur, l'immense. Lorsqu'il se relèvera ensuite de l'inclinaison, dans la position debout, entre le qiyam et le sajda, ce qu'on appelle le qawma, alors son attention sera portée sur la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, son éloge, sa glorification, son adoration, et sur le fait qu'il est le seul à faire don ou à priver autrui. Et c'est pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris cette invocation-là dans le Qawma, rapporté dans Bukhari. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend cette invocation que Rabbana wa lakal hamd, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Et dans une autre narration de Tirmizi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cette invocation à lire de le qawma. Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du. Lorsqu'il se prosternera ensuite dans le sajda, il portera son attention sur la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son rapprochement, la soumission et l'humilité envers lui et la nécessité que l'on éprouve à son égard, la faiblesse du serviteur, son humilité face à Allah subhanahu wa ta'ala et sa supplication. C'est pour cette raison que nous lisons Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la. J'exempte Allah, le Très-Haut, de tout défaut, car il est le Très-Haut et n'a pas de semblable dans son éminence. Ensuite, quand il
se relève, il relèvera la tête après la prosternation. C'est ce qu'on appelle la position du Jalsa. Il s'agenouillera ainsi et son attention portera sur la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa générosité et sa largesse pour lesquelles le serviteur éprouve un profond besoin. Il suppliera alors Allah subhanahu wa ta'ala en faisant preuve d'humilité pour qu'il lui pardonne, lui fasse miséricorde, le protège, le guide et lui accorde sa subsistance. Et pour cette raison, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris cette invocation à lire dans le Jalsa rapporté dans Abu Daoud, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Lorsqu'il s'assoira pour accomplir maintenant le tashahhud, dans la position du Ka'da, il se retrouvera dans une situation différente qui ressemble à la situation du pèlerin lors du tawaf d'adieu, tawaf et wida. En effet, son cœur sent maintenant qu'il va bientôt quitter l'entretien qu'il a avec son Seigneur pour se consacrer aux choses de ce bas monde, aux soucis et aux occupations dont il s'est détaché pour adorer son Seigneur. Or, avant la prière, avant la salat, son cœur était en proie aux tortures et aux douleurs causées par tous ses soucis. En entrant en prière, le cœur a ressenti la proximité divine et goûté aux délices procurés par l'entretien qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, n'éprouvera ces sentiments qu'un cœur vivant, qu'un cœur rempli du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son amour et de sa compagnie. À la fin de cette salat, on doit ressentir un pincement au cœur. En effet, car le cœur sait qu'il quitte maintenant le dialogue initié avec celui dont l'entretien n'engendre que bonheur, pour s'entretenir de choses qui ne procurent que douleur, soucis, accablement et amertume. Chère sœur, cher frère en islam, certes on est faible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, que l'être humain a été créé faible. Même si on fait l'effort, il arrivera que notre attention parte ailleurs dans la salat. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait répéter à chaque fois dans la salat cette formule extraordinaire, Allahu Akbar, en allant dans le rukou, on va dire Allahu Akbar. En allant dans le sajda, on dira Allahu Akbar. En étant dans le qawma, dans le jalsa, on va dire Allahu Akbar. En allant dans le ka'da, on dira Allahu Akbar. C'est comme si qu'Allah subhanahu wa ta'ala te disait que tu es en train de t'évader de ta prière. Alors, Allahu Akbar, tu es en train de penser à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allahu Akbar. N'oublie pas de dire Allahu Akbar, car en disant Allahu Akbar, tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que ce que tu es en train de penser. Donc ramène ta pensée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dis-toi bien que chaque prière est un combat contre ton nafs et shaitan. Je terminerai avec ce dernier conseil émanant de la bouche même de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit dans un hadith d'Ibn Majah que إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاتًا مُوَدَّعِينَ, que lorsque tu te lèves dans ta prière, فَصَلِّ صَلَاتًا مُوَدَّعِينَ, prie la prière de celui qui fait ses adieux. C'est-à-dire, prie chaque prière comme si c'était la dernière que tu pries. Prie cette prière comme si c'était la dernière que tu pries. Et tu verras, Inch'Allah, un changement dans ta prière. Et tu goûteras ainsi à la saveur spirituelle de cette prière. Tu passeras de l'acte cultuel à la saveur spirituelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq d'améliorer notre prière. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos invocations et qu'Allah subhanahu wa ta'ala
Accepte nos prières. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.